Alléluia. Béni soit l'Éternel, notre rocher. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est bon Dieu, bon Dieu. Après mon Dieu, pas que l'autre encore. Alléluia. Béni soit l'Éternel, notre rocher, qui exerce même au combat. Aide-nous à la bataille. Béni soit l'Éternel, notre rocher, qui exerce même au combat. Aide-nous à la bataille. Béni soit l'Éternel, notre rocher, qui exerce même au combat. Aide-nous à la bataille. Le nom de Dieu est une tout forte. Le juste s'est reposé. Amis auditeurs, frères et sœurs dans le Seigneur, nous déjà se dirons bienvenue dans l'émission pour là. Donc, que bon Dieu bénisse dans nous, l'esprit au cœur. Dieu vous bénisse. Le merveilleux sauveur est Christ, mon Seigneur. Un merveilleux sauveur pour moi, car mon âme cachée au fond de son cœur, il trouve l'eau vive et j'en bois. Aïe, mon âme en l'eau, crevassée s'est cachée, et Dieu m'y couvre par sa main du monde. Du monde de ma vie, enfin s'est détaché. Pourquoi craindre le lendemain? Pourquoi craindre le lendemain? Un merveilleux sauveur est Christ mon Seigneur. Un merveilleux sauveur pour moi. Car mon âme cachée au vivre sans bois. Aïe, mon âme en l'eau, crevassée s'est cassée. Et Dieu m'y couvre par sa main du monde. Du monde de ma vie, enfin s'est détaché. Pourquoi craindre le lendemain? Pourquoi craindre le lendemain? Un merveilleux sauveur est Christ mon Seigneur. Il ôte tout fardeau pour moi. Il me soutient afin que je sois vainqueur. Je marche aujourd'hui par la foi. Aïe, mon âme en lui, crevassée s'est cachée. Amen. Et Dieu m'y couvre par sa main. Du monde de ma vie, enfin s'est détaché. Alléluia. Pourquoi craindre le Sauveur et Christ mon Seigneur, il me bénit de jour en jour, toujours à y blinder dans moi. Jadis pécheur, je sens de sa grâce toujours. À mon âme en le haut, crevassée s'est cachée, et Dieu couvre par sa main du monde de ma vie, enfin s'est détaché. Pourquoi craindre le lendemain? Pourquoi craindre le lendemain? Lorsque dans sa beauté le roi je verrai, je serai semblable à Jésus. Le thème des chants des élus pour jamais sera son amour, son salut. Ah, lorsque dans sa beauté le roi je verrai,
je serai semblable à Jésus. Le thème de chant des élus pour jamais sera son amour, son salut. Aïe, mon âme, mon âme. Dieu me couvre par son main. Du monde ma vie, en fait c'est détaché. Oh, oh, pourquoi craindre le lendemain? Pourquoi craindre le lendemain? Lui cassé dans moi, dans mes temps, cela. Par sa main, du monde de ma vie, en fait c'est de tasser. Pourquoi craindre le lendemain? Pourquoi craindre le lendemain?
Préféré ainsi par l'Éternel. Nous saluons également Sœur Henri Jean, Sœur Marie, bon Dieu bénou, tout super connecté nous. Je dis à nous pour assister à un bel enseignement, c'est l'appel d'une grande prière par Madame Sœur Gadi Jean, lui, bon Dieu bénou, non, déjà moi c'est une bonne audition, bon Dieu bénou, Sœur Mazeline, la famille de Julien. Bon Dieu bénis, pasteur Larousse Saint-Joseph. Déjà, merci de nous. Bonne audition dans les seigneurs. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Crions ensemble, béni soit l'Éternel. Le peuple de Dieu crie Alléluia. Les vases d'honneur crient béni soit l'Éternel. Les vases de miséricorde crient béni soit l'Éternel. Certainement, nous sommes contents ce matin d'être avec vous pour prononcer les oracles de Dieu. Je lis pour vous.
Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Parole du Seigneur. Bien entendu, notre sujet pour ce matin, c'est bien la perle de grand prix. La perle de grand prix. En calcaire, généralement de couleur blanche, fabriqué par certains mollusques, la perle se développe dans une huître à la suite d'une blessure. Maintenant, la perle est la conséquence d'une blessure. La perle est la conséquence d'une souffrance. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est la perle de grand prix que tout homme doit avoir dans sa vie pour devenir une perle inestimable. Maintenant, que produit cette perle dans la vie de l'homme qui le porte dans son cœur? Certainement, ce matin, nous allons voir avec vous et quatre trésors que produit cette perle de grand prix qu'est Jésus-Christ dans la vie du croyant. L'une des premières trésors que produit Jésus dans la vie du croyant, eh bien, c'est la justification. C'est la justification. La justification, c'est l'acte par lequel le Dieu trois fois saint déclare que le pécheur croyant est devenu juste et acceptable devant lui. Dans Romains chapitre 3, le verset 22, la Bible dit « Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction, car tous ont péché. Et ils sont gratuitement justifiés par le moyen de sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Bien-aimés dans le Seigneur, en Jésus-Christ, nous ne sommes pas condamnés. En Jésus-Christ, nous avons été justifiés. Et nous savons que la justification est un acte souverain de Dieu. Ou pas fait un rien pour justifier. Depuis qu'on est venu là, on a accepté Jésus, et puis qu'on fléchit pour mon Dieu, ou dit, d'accord, changer de mentalité. Immédiatement, on fait ça, et bien Jésus met ton saut sous la voûte, il dit, justifiez-vous. Il dit, ou pas condamné. Il dit, toute chaîne qui t'est mariée, ou chaîne qui est cassée. Tout côté non t'est écrit dans le livre Satan, Jésus est facile et puis il met justification. Et sous quoi ça? Levez main en crier sainteté à l'Éternel. La Bible dit, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En vérité, debout en Jésus-Christ, ou pas condamné, diable pas qu'à condamner ou, l'embala pas qu'à condamner ou, les bas, diable qui n'habitation pas pour là, qu'à fouer là. Allez à soi, au nom de Jésus, par la foi, saisis et paix, coupez tête baka, parce qu'on pas condamné à justifier, pas grand monde qui tout le monde qui mange, pas grand monde qui garde pour le pape, jamais rien, parce que la Bible dit pas condamné, levez mon crier la foi. Pas de condamnation, pas d'interdiction, pas de jugement, pas de procès, pas de punition, pas de châtiment, pas de sanction. Jésus a tout pris à sa charge. Bien-aimé, ou pas condamné, pas grand monde qui a dit l'arrêto, pour un sac ou faire, parce que Jésus te prend tout déjà. Il te prend tout, il te porte au sous-dol. Pas grand monde qui dit comme ça, il est capable de lever les matins, et puis pour le prononcer malédiction sous la voûte, pour le pas privé, parce que la Bible dit, mais ils sont gratuitement justifiés. La justification, c'est gratis lié. On va faire quoi pour bailler pour ça. C'est pas ça qui justifie. Ou a besoin d'aller chapelot pour prier Marie. Ou a besoin d'aller chapelot pour prier ni Saint-Antoine, ni Saint-Ulrich, ni Saint-Jacques. Il n'y a pas rien au café. Jésus justifie au gratis. Jésus justifie dans le passé. C'est la justification. Il justifie dans le présent. La sanctification. Et en vérité, le sauveur dans le futur. La glorification. Ça va gagner pour loin avec diable. Et si ça fait quel que soit le monde qui l'a, l'on parle, ou dit mes amis, pas de persécution, bagain. Même les doux sous persécuter, c'est parce qu'on sauve, parce que le diable va vouloir dans le ciel. Même les doux tout, quel que soit le monde l'a persécuté, l'Éternel fait que la gueule est là dans la main, et puis elle est là déjà. Et s'il pas de filet,
nom Jésus. Ou mettre fidèle dans la puissance de cet esprit. Ou mettre fidèle dans Dieu feu de cet esprit. Ou mettre fidèle dans la repentance. Pour mon Dieu, bon victoire. Parce qu'on justifié. Levez-moi. Le alléluia, moi justifié. Pas grand monde qui a mis ton jugement sous tête. Pas grand monde qui a mis ton sentence. Dans Esaïe, le chapitre 53, la Bible dit, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Châtiment qui bon la paix, il tombait sur Jésus. C'est ça que fait. Par contre, j'abrasse ça qui a réclamé mon monde là, pour le dire pour tourner mon beau, pour tourner ou grand. Et quel que soit le bac à nous là, moi je veux dire peut-être ou même, peut-être non, peut-être ou même là pour mettre déjà. Pierre est-il qui compte recevoir bac à ça, en vérité tu fais prendre la donne. Pas grand monde qui t'a gardé pour le dire comme ça, la fini avec, parce que les écrans y est, ou planter tête en bas, racine ou sans les lier. Et si le monde veut manger, il faut qu'il mange le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En vérité, quel que soit le monde qui chita là, et le monde qui attendait, Jésus-Christ dépouillé Bakayo déjà, Bakayo sans force, c'est comme si c'est moi qui est devant, et m'a tout ça. Quelle que soit la persécution qu'on a subi, c'est mon qui subit, qui persécute. Levez-moi, dit alléluia, son vase d'honneur. Levez-moi, dit alléluia, son sacerdoce royal. Levez-moi, dit mon ambassadeur du royaume de Dieu. Jésus, qui est la perle de grand prix. Jésus, qui est une perle inestimable, à tout prix, à sa charge. Bien-aimé, dans le monde. Dans le monde actuellement, pendant ma paléa, il y a 4 perles. Et 4 perles, ça y est, tellement vendu cher. Première perle là, c'est la perle pérégrine. Je dis, c'est l'une des plus célèbres au monde. Elle fut découverte par un esclave. Celui-ci fut affranchi pour cela. Je dis, première perle, ça, elle est évaluée à 56 carats. Deuxième perle là, il y a la reine des perles. Troisième, il y a la perle d'Allah. Et quatrième perle là, il y aurait la perle régente. C'est la perle la plus chère dans le monde. Sa forme, sa couleur, un lustre supérieur. C'est une perle unique. La perle régente, il y aurait la perle régente ou bien il y aurait la perle de Napoléon. La perle de Napoléon, c'est la plus grosse perle de l'Europe. Elle fut portée par des impératrices telles que Eugénie de Montijo. Une perle d'eau de mer naturelle. Perle ça bien aimé dans le Seigneur, l'écouter 2 milliards 5 millions de dollars. Mais même si c'est perle pérégrine, même si c'est la reine des perles, même si c'est la perle d'Allah ou la perle de Napoléon, la perle de Napoléon qui coûte 2 milliards de dollars, 2,6 milliards de dollars. Pas de perle qui a estimé, qui a coûté péché, que Jésus dans la vie en moi. Bien aimé, pour ministrer samedi, parce souvent, le n'a regardé le film La Passion du Christ, ou sinon, le ou attendez, yo dit, le Jésus était sous quoi? Jésus-Christ dit, j'ai soif. Jésus dit, j'ai soif. Et puis la Bible dit, yo pon éponge qui gen vinaigre, yo passe l nan bouche Jésus. Yo dit, yo vle fansel pour yo prije éponge dans la bouche là, li pa boue vinaigre là. M'a expliqué nous ça. Ça Jésus te subi pour te capable justifier ou. Non seulement le souffrir dans col, mais le souffrir psychiquement tout. Dans l'Ancien Testament, tenez bien, oui. Toilette, yon te gen deux compartiments. Ça veut dire, toilette, yon te capable de dire, te divisé en deux. Te gen partie pour filles, te gen partie pour garçons. Et toilette, yon te gen gros vaisseau qui gen vinaigre la donne. Vaisseau ça qui gen vinaigre là, li te gen éponge. On gros éponge. Yon mare éponge là, non mou sou bois. Chaque garçon qui entre, kal defeke. Nous ne pouvons pas dire l'autre mot. L'alphine déféqué et puis il suye. Il suye besoin. L'alphine suye besoin pour nous la gueule dans beaucoup de vinaigre là. Pour beaucoup de vinaigre là qui a désinfecté éponge là. Pour l'autre monde dans la fin déféqué lui-même,
pour le cas suyer tout. Là, Jésus-Christ est sous quoi? Il dit, j'ai soif. C'est éponge de fait que ça, oui. Que yon te prend, yon passe dans la bouche li. Jodi yon chita là, ou chita gratis. Ou sauve gratis. Yon tout comment pour marcher dans la sanctification pour Christ? Ou presque pas vle faire ça? Ou pas même vle consacrer ou voir pas vle travail pour li? Vle tout sous chita là, c'est parce que Jésus qui est l'unique perle de grand prix, te pote, tout fado yo, te prend toute humiliation. Éponge déféqué, crachat, soufflette, coup de poing, Jésus te prend tout. Elle te accepte, il pas dit un mot. Il pas revendiqué pour le dire, il c'est roi des rois ou bien c'est seigneur des seigneurs. Fado yo, il te prend yo pour moi-même. Il te prend yo pour ou même. Il te prend yo pour petit tout. Mande tout moun ki la, a toute force ou gen, pour applaudir Jésus de Nazareth. Il mérite gloire, il mérite l'honneur, il mérite adoration. A la yo immolé, il mérite la richesse, la gloire, l'honneur, la louange. Au siècle des siècles, il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Amen. Deuxième trésor que nous apporte Jésus, la vie éternelle. Par une opération chirurgicale, Ève est née, Genèse 2, verset 21. L'épouse est la femme de l'agneau. Dans Apocalypse chapitre 21, le verset 9, il est écrit que certainement l'Église est l'épouse de l'agneau immolé. Dans Jean 19, le verset 34, la Bible dit, un des soldats lui perça le côté avec une lance. Une lance. Bien-aimé, laissez-moi vous dire, dans Genèse chapitre 2, le verset 21, la Bible dit, bon Dieu endormit Adam. Et elle endormit Adam, première opération chirurgicale faite par le chirurgien des chirurgiens, qui c'est l'Éternel des armées, le Theos Pantocrator, l'Elohim Bara. Il endormit Adam, et puis il prend un bon côté, il fait Ève. De même, dans Jean 19, verset 34, Ève saute bocote Adam. Ève saute bocote Adam. Dans Jean 19, verset 34, la Bible dit, yon soldat vini, li perce bocote Jésus. Et le perce bocote Jésus, tenez bien, oui, il sortit du sang et de l'eau. Le sang de Jésus donne le pardon. Le sang de Jésus donne l'absolution. Le sang de Jésus donne l'amnistie. Il donne la grâce. Il donne l'indulgence. Il donne la miséricorde. Il donne la rémission. Nous avons la vie à cause du sang de Jésus. Le sang rouge. Le sang qui donne la victoire, la réussite, le succès, qui nous lave. Sans Jésus, assaini nous, lave nous, les blanchit nous. Pas de mal pour nous. Et si le rouge représente la victoire, l'apothéose, la gloire, si le rouge fait de vous un conquérant, le blanc représente le pardon des péchés, l'ensevelissement du croyant dans la mort de Christ afin de ressusciter avec lui. Mort en Adam, la vie avec Jésus. Le premier Adam a été endormi pour donner vie à Ève. Le second Adam a passé 3 jours et 3 nuits dans le sépulcre pour donner vie à son église. Premier Adam, bon Dieu en 2000 pour le prendre Ève. Second Adam, qui c'est Jésus, il descend dans le séjour de mort. Et là, il arrive, ou capable de comprendre, valet démon, Abigor, Abraël, ou capable de comprendre, valet diable qui campait, Shiva, Bouddha, Nataraja, Ganesha, Dambala, qui campait en bas. Il a dit, c'est lui qui te précipite nous. Les salles de gué pile sans Joabel, il te gué Michael, il te gué Gabriel, il te gué Barakiel. Mais la descend, nous prenons le Kembel. Et puis, capable de comprendre, ça peut paraître. Et puis, il dit, Baron Kembel, Kembel fiche là, les messieurs viennent là pour mettre elle dans prison. Parce que depuis que le monde mourit, c'est dans prison pour aller. Et prison, ça va au monde qui a géré là. Ça peut camper, tout démon est campé, et paye en amène.
Satan. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Les dinex sa cap descend dans là. Abraham devant Sarah pour dire à quoi. Esaïe t'es péché. Jérémie t'es péché. Ézéchiel t'es péché. Osé péché. Malachie péché. Tout prophète ancien testament, malgré ses serviteurs, mon Dieu, il y a faiblesse. Les dit, mais nex ça. Nex ça. Son juste lié. Li pas péché. Li pas pité. Li pas gagné la caille. Regardez, la Bible dit, quand tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et puis Satan, regardez, par où dit Satan, nex ça pas dans l'isme. Ça fait pas dans nous. Parce qu'elle juste qui s'allie. Et bien, nex ça, soit la descend là. Li pas descendre pour le vin rete. La descend, non. Son c'est la fin pété. Jésus paraît, sans avocat, sans ange. Et puis le campé, li dit, même moi, par où on même. Par où dit, m'baka kembe ou. La parole de Dieu dit, a fait qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Baron à genoux, Dabala à genoux, Azaka m'aider à genoux, tout abrassé à genoux, Jésus fait cœur avec cœur, et puis Jésus prend l'isla, l'ischire, l'is condamnation, t'es qu'un amène diable là, l'isla, l'is qui t'es doux, jamais, l'is qui t'es doux, volant, piton, volant, l'is qui t'es accusé là, Jésus déchire, l'is déchire. Adam a été endormi pour donner naissance à Ève. Jésus a passé 3 jours et 3 nuits dans le sépulcre. Alléluia. Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour vous. Et je dis à nous pas condamner. Jésus a dépouillé la domination. Jésus a effacé l'acte qui nous condamnait. Les registres de la mort ont été stoppés. Aïe, aïe, aïe. Satan n'a pas de registre, personne n'en mêle. Satan n'a pas de registre, personne n'en mêle. Même registre, monde qui n'a pas converti, yo. Parce que les gens qui viennent là, ils convertis, registrent la tête en archive, bon Dieu. Et je veux dire, chaque monde qui est là, ou pas de dossier dans le diable, levez mon cri, Alléluia. Soldat crie la foi. Sentinelle crie la foi. Ambassadeur du royaume crie la foi. Compagnon d'œuvre de combat crie la foi. Moun sauvé crie la foi. Applaudis Jésus de Nazareth, non, figue diable. Il vous a apporté le salut. Yes, il vous a sauvé. Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour vous. Éphésiens 5, verset 25. Troisième trésor apporté par Jésus, la sanctification. Se sanctifier, c'est le fait d'être pur. Se sanctifier, c'est une vertu de tout vrai croyant. Nous savons que se sanctifier, c'est une qualité fondamentale de Dieu et de son esprit. Éphésiens 5, verset 26. La Bible dit, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Lors baptisé ou plongé avec nature adamique, là, ou ressuscité avec nature christique, là, ça veut dire, même sous Oshita là, ou pas pour contour, ou pas pour contour, et quel que soit côté passé, ou son mystère pour diable. Ou alors dormi, on moun font magie. Et puis le hello, Jacqueline, Jacqueline. Et puis, mais Jésus paraît à tout sang. M'vle dit, chaque moun qui chita là, quel que soit moun qui gado, li dou pas rien, ou gado li dou pas chaman rien, li menti. Gon wa de wa te mouri pour tête ou même. Et ou honoré dans yeux, bon Dieu. Pour Jésus justifié ou, li verse semblant. Li baye sang rouge. Là un petit monde malade, petit monde ça aller à l'hôpital. Yo wel gen la fièvre, mais la fièvre pas une maladie. La fièvre son signal d'alarme. Et l'arrivé, yo fait examen sans tout examen pour lui. Finalement yo wè qui maladie il gen. Il a gen typhoïde ou malaria. Et peu importe maladie a, s'il besoin antibiotique, ou un docteur a li pon en piqûre. Li pon seringue. Il n'y a pas bal médicament dans la bouche parce que les injecter seringue dans le don, il fait effet plus rapide. Et puis il prend seringue, injecter antibiotique là en don. Semblant son bouclier lié, globule blanc. Il prend antibiotique là, il combat microbe là, il met le dehors. Chaque monde là, tu as un microbe, tu as une bactérie, virus péché. Le sang Jésus-Christ coulait. En vérité, 3 fois. Cet esprit servit avec sans ça dans le monde invisible. Et cet esprit
mettez bactéries péché de yo. Ou bien alors chrétien j'en ai péché. Ou bien alors tomber ou un sentiment de regret. M'pas besoin qu'on qui bot est tombé. Mais jodi a. S'il vous plaît un petit moniteur. Mais jodi a. Nous mandé pour qu'on ait te gen un sang qui coulait. Et sans ça qui coulait, c'est pas n'importe sang de. C'est pas sang bœuf, c'est pas sang mouton. C'est le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus, vous êtes sanctifiés. Dans le sang de Jésus, vous avez la victoire. Dans le sang de Jésus, dès que vous payez, vous avez été blanchi. Levez-moi, dit alléluia, nous sommes vainqueurs. Levez-moi, dit alléluia, nous sommes conquérants. Et quatrième trésor, c'est la gloire. Levez-moi, dit la gloire. Dans Ephésiens 5, verset 27b, la Bible dit, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. La gloire de Dieu, c'est le rayonnement qui se dégage de toutes ses perfections. La gloire de Dieu, c'est l'éclat insoutenable de toutes ses perfections. La gloire de Dieu éblouit, la gloire de Dieu aveugle. La gloire de Dieu inspire la crainte, il inspire l'adoration. La gloire de Dieu inspire le respect. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, la gloire de Dieu inspire le respect. L'orgade pour tout ça, bon Dieu, fait pour vous. Ou pas capable de louer, ou pas capable d'adorer. L'orgade où est joue même tout, ou pas juif, ou pas noble, ou pas soutenir la République nobiliaire. Parce que Haïti est la moindre des pays. Nous sommes placés par l'ONU. La 22e pays la plus pauvre au monde. Et Haïti n'est pas pauvre. Haïti a été seulement appauvri par les grandes puissances occidentales. Et nous pouvons dire aujourd'hui que nous possédons une gloire. Gloire ça, pas un président, pas un premier ministre, ni un député qui a retiré. Et je veux dire, chaque monde qui l'a, quel que soit un monde riche ou bien un grand politicien qui mourit depuis le mourir sans Jésus-Christ, Satan a le pouvoir sur nous. Même monde qui t'a pipof dans le monde là, qui est Christ, immédiatement, non ni pas le quitter quoi, des anges de Dieu qui sont campés pour accompagner. Et ça, son richesse inestimable. Ça, c'est la perle de grand prix qui baoule. Cette perle, c'est Jésus. Bien-aimés, nous venons de voir avec vous. Nous venons de voir avec vous, mes bien-aimés. Eh bien, quatre perles, quatre trésors inestimables que Dieu nous a donnés. Nulle perle au monde ne peut remplacer ou égaler cette perle que Dieu nous a donnée, Jésus-Christ. Nous savons que les différentes perles de Grand Prix, par exemple, les perles de culture d'Akoya, les perles de culture de mer du Sud, les perles de culture de Mabé, nous avons des perles qui sont rares, telles que la perle régente, la perle de Napoléon Bonaparte qui coûte 2 milliards, 5 millions de dollars, la perle, la reine des perles, la perle d'Allah, la perle pérégrine. Mais vous savez quoi? Aucune de ces perles n'est comparable, n'est équivalent, n'est identique, n'est semblable. Aucune de ces perles, même la perle de Napoléon, ne peut rivaliser, ne peut ressembler à ces trésors que Dieu nous a donné. Quels sont ces trésors? La justification, la vie éternelle, la sanctification, la gloire. Gardez ces trésors, conservez-les, entreposez-les, réservez-les, entreposez-les au plus profond de votre cœur. Et que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Son les défauts.
Vous êtes capté la radio pour les Nagalagas.
vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. J'y lève mes yeux vers les montagnes. Alléluia. D'où me viendra le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. J'y lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. J'y lève mes yeux vers les montagnes. Ah, j'ai la foi, d'où me viendra, alléluia, le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je lève mes yeux, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je lève mes yeux. Je lève mes yeux vers les montagnes. Mon gars vive par la foi, d'où me viendra le secours. Mon gars m'a persécutionné, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Alléluia. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux
et la terre. Je lève mes yeux, je lève mes yeux vers les montagnes qui te que attache avec mettre la vie. Tout mes vénants, relais, Sanadia. Le secours, alléluia, le secours me vient de l'éternel. Frère Patrick fait la foi, c'est Christine qui a fait les cieux. Et là, vous l'entendez l'église à Gabrielet, je lève. Merci, qu'elle est montagne, d'où me viendra le secours, le secours me vient. De l'éternel qui a fait les cieux et la terre. Je lève mes yeux, je lève mes yeux. Mon a fait complot sous doyo, fais-les monte. Mon qui va guérir, qui va guérir pour nous. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux. Et la terre, je lève mes yeux, je lève mes yeux, je lève mon d'où me viendra le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre. Je lève mes yeux, je lève mes yeux. Vers les montagnes, Frère Mackinson, le secours, c'est Stéphane Arélé, le secours me vient. Ça m'a réjoui, fait la force. Relais. Qui a fait les cieux et la terre. Je lève mes yeux, je lève mes yeux. Ou même qui l'a gagné non pays, ou pas de personne pour lui, ou pas de personne pour lui. Je lève mon. Ou même en chercher la vie, la vie a maltraité. Tout me viendra. Le secours, le secours me vient de l'éternel qui a fait les serviteurs. Jean-Baptiste fait la foi.
laissé à Daline. Je l'aime, merci. Ça m'a dit, chaque bête la vie tout me viendra. Le secours me vient. C'est Joseph Rilly, la famille Jérôme fait la foi. Relais sa rose, relais sa Pharah. Secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre. Une autre fois encore, je lève mes yeux, je lève. Messieurs, violet, monte, d'où me viendra. C'est Monique, pas périlé, c'est Miqueuse, pas périlé, le secours, c'est Chaline, pas la foi. Le secours me vient de l'éternel qui a fait l'ainsi et la terre. Cerny fait la foi. Oh.
amen. Fais mon Dieu confiance. Oh, 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 oh. Jésus. Qui prend les tontons pour le voyager de l'eau pour eux. Le secours,
même là pas devant pas devant quoi pour j'ai mettre dehors le secours me vient amen amen de l'éternel qui appelle c'est Marie l'a relé c'est Gabriel l'a relé il a levez mes mains au Jocelyn. Yes. Oh papa. Sois fier, fier, François, encore toi, levez mes mains ouvert la foi. Le secours. Oh papa, fais grâce. Fais grâce. Je lève mes yeux. Je lève mes yeux. Je lève. C'est Alta, fais mon Dieu confiance. Donc mon Dieu, pas jamais commencer pour pas finir. C'est Alta, Raymond, fais mon Dieu confiance. C'est Niva Brutal, fais mon Dieu confiance. Yes! Le secours me vient. Aïe, aïe, aïe! Télé. Sarah, quand on y a sa bonne mon Dieu, qui a fait la suite. Quand on est dans le combat, il a. Je lève mes yeux. Je lève mes yeux. Levez des bons, levez des bons, levez des bons, levez des bons. Je lève mon temps. Pétorel, local, là, non, faut crier de délivrance. Pétorel, 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 c'est pour mon Dieu, c'est son soya. Non, soya, que mon Dieu me porte la méthode dehors. Non, soya, que mon Dieu me liberté. Sorcier, ça campe en quoi sous toi. Malfecteur, ça campe à Tristola là. Malfecteur, ça campe en quoi. Il dit, faut qu'il fait ferme là. Tout en la vive là. Ou pas, j'aime mon nom. Sorcier, ça tourne. Pour le voir tourner, royaume. Pétorel, pétorel, mon Dieu. Pour qu'on ma liberté à l'éternel des amis. Pour qu'on ma liberté à. Lirele, Jésus-Christ de Nazareth, pète au cri, levez campé, prends marché, relais, ou même qui sont tous sans espoir, ou même qui sont tous abandonnés, ou même qui sont tous méprisés, ou même qui sont tous loin dans le couloir, ou pas guérir, ou pas répondre, ou même qui est pour adresser, ou qui est pour relais, ou avec qui est pour parler, tout le monde est adressé, ceux qui levent contre vous, ceux qui parlent, ceux qui critiquent, relais, comment qui compte ma liberté, comment qui compte sécher. Comment qui compte dépanner mon? Comment qui compte parler couillot? Comment qui compte dépanner? Oh papa! Le secours. Le secours me vient de l'éternel. Yes, yes, yes. Qui a fait le ciel et la terre. Je lève mes yeux. Je lève mes yeux. Relais la famille Maximo. Je lève mon temps. Ça aide.
Mon Dieu, confiance, la famille en boile. Alléluia. Gloire à Dieu. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Père d'amour, nous disons merci. Nous disons merci pour grâce, nous disons merci pour compassion. Nous disons merci pour fidélité. Fidélité, notre Dieu qui est toujours là pour nous. Nous adorons. Nous salons, mon Dieu, non, qui sait. Merci, Père d'amour. Alléluia. Amis auditeurs, frères et sœurs dans le Seigneur, bon Dieu béni, bon Dieu couvri. Nous sommes vraiment contents pour nous être ensemble avec vous. Dans un moment, ça, avec bel sujet, ça, l'appel de grand prix. Bon Dieu béni, bon Dieu couvri. Nous allons arriver, amis auditeurs, pour nous prendre congé de vous-mêmes. Et généralement, pour nous retourner tout de suite avec également cinquantaine de bénédictions, cinquantaine de repentance, cinquantaine de délivrance, cinquantaine également, une cinquantaine de délivrance de manière totale et capitale. Bonjour, bénon, bonjour avec vous. Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie. Parole, bon Dieu qui gagne tout pouvoir. Sans auditeur, nous avons congé de nous-mêmes et nous avons de tout de suite ensemble avec cinquantaine également de délivrance totale sous la vie. Bon Dieu béno, bon Dieu couvre. Yon cinquantaine de délivrance, yon cinquantaine également du pardon, yon cinquantaine de repentance, yon cinquantaine de également du Saint-Esprit, de la manifestation du Saint-Esprit. Donc soyez de notre ce soir, nous avons continué dans cinquantaine. Bon Dieu béno, bon Dieu couvre. À ta l'heure pour également, amis auditeurs, pour également cinquantaine, Nora. Bon Dieu, bénis.